Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va faire donc 3 heures ce matin, pour permettre d'avancer un peu, c'est bien. Alors, je ne sais plus, on s'était arrêté dans, le, dans les décomptes, grand 1, petit 2, je ne sais pas quoi, vous allez me dire. Je vais juste faire un petit rappel. Donc, on est dans le chapitre sur les états de position. Donc c'est un chapitre qui permet de voir comment traiter la position en physique quantique, sachant que la notion d'espace et la notion de temps ne sont pas réellement bien comprises aujourd'hui, enfin ne sont pas comprises du tout en réalité. Mais néanmoins, on a classiquement l'idée de position dans l'espace, qui correspond en fait à... la position d'un point est déterminée par la distance à certains corps de référence, donc au sein d'un référentiel. Donc on se met au sein d'un référentiel, du coup il y a un temps universel. Alors, enfin, la notion de temps a un sens dans un référentiel. Vous savez que en relativité, c'est pas le cas. Quand on passe dans un référentiel, le temps, la coordonnée temps n'est pas universelle, mais on se préoccupe pas de ça, on est au sein d'un référentiel. Donc on a une coordonnée temps et on a une réalité qui est donnée instantanément. Donc à chaque instant, n'importe quel système physique se trouve dans un certain état et on regarde comment ces états évoluent. Mais, donc parmi ces états possibles pour un système, il y a quelque chose qui est lié à la position, je ne comprends pas bien, mais qui est là. Et ce qu'on a vu la dernière, enfin, on a essayé la dernière fois de voir comment introduire des états de position, comment distinguer un état où le système est là d'un état où le système est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire être là? Et surtout en physique quantique, s'il est possible d'être là et d'être là, alors il est possible d'être dans un état qui est une combinaison de être là et être là, parce que la position. La grandeur physique distance à un corps de référence qui est sous-jacente à la notion de position est une grandeur comme une autre, et donc les états associés à des valeurs bien définies de cette grandeur peuvent être combinés par combinaison linéaire complexe ou de façon tout à fait standard. La position n'est pas une grandeur, enfin, les longueurs sous-jacentes aux positions ne sont pas des grandeurs physiques particulières. Donc ce qui est vrai pour toute grandeur physique, pour tout système physique, à savoir que si on a deux états possibles, toutes les combinaisons linéaires de ces deux états sont possibles, est vrai aussi pour la grandeur position. Alors la difficulté qu'on avait mise en lumière, c'est que dans le cas de la grandeur position, classiquement, on a un nombre non seulement infini de positions possibles, même à une dimension. Si on repère simplement la position X par rapport à une référence 0 choisie arbitrairement, on n'a pas simplement un nombre infini de positions, mais on a un nombre infini non dénombrable de positions. Et ça, si on replace ça dans le cadre conceptuel de la physique quantique avec un espace de Hilbert qui représente l'espace des états possibles pour le système, eh bien, on a un espace de Hilbert dimension infinie, infinie non dénombrable, ce qui n'a pas de sens si on adopte la définition standard de l'espace de Hilbert. Mais on a vu donc par analogie à ce qu'on fait dans le cadre d'un espace de dimension finie où vous avez certaines bases EI pour I égale 1 à N sur laquelle donc base de l'espace de Hilbert base orthonormée de l'espace de Hilbert des états. Quand on a une base comme ça, on sait bien sûr par définition d'une base que n'importe quel état de l'espace de Hilbert, n'importe quel état du système peut s'écrire comme une combinaison linéaire des états de base. Et puis on sait définir un produit scalaire, un produit hermitien là-dessus. Hein, si vous avez deux vecteurs, comme ça, qui sont écrits comme un vecteur colonne alpha 1, alpha n,
et puis un autre bêta 1, bêta n, le produit hermitien, c'est alpha 1 étoile, bêta 1, plus alpha, somme des alpha i étoiles, bêta i. Ça, c'est facile. On sait généraliser ça à la dimension infinie dénombrable. Donc simplement, on ne s'arrête pas à n, mais on va jusqu'à l'infini. Donc ça nous fait un vecteur colonne infini. Alors évidemment, il faut donner un sens à la somme infinie, une combinaison linéaire infinie, ce qui n'est pas standard, mais vous avez vu ça en maths. C'est tout le principe des bases de Hilbert. Donc, en dimension infinie dénombrable. On a donc une base de une collection comme ça de vecteurs. Et on dit que cette vecteur est une famille orthonormée totale. Si, en gros, si on peut travailler avec les composantes, comme ça, comme si c'était de dimension finie, donc ça s'appelle une base de Hilbert. Si, donc, on a, par exemple, on peut écrire ici, en fait, comme étant la somme pour tous les entiers de alpha i, en fait, je vais l'écrire comme ça, de EI psi EI, hein, où donc la composante de psi suivant EI, c'est précisément le produit scalaire de EI avec psi, exactement comme en dimension finie. Hein, donc ça, on peut le réécrire avec la fameuse identité somme sur I des... Hein, si je mets ce nombre-là de l'autre côté, ça fait somme sur I des petits I qui est égal à l'opérateur identité. Ça, c'est le projecteur sur le orthogonal sur le vecteur EI. Et si on fait la somme des projecteurs sur tous les vecteurs de base, ici, la base de Hilbert, on obtient l'identité. Et donc, on avait simplement généralisé ça. Alors, si on s'intéresse maintenant aux états de position, on voudrait que les états de position, je reste à une dimension, la généralisation à 3D est triviale, on en dira un mot. Les états de position seraient définis comme ceci, avec x dans R, et on aurait donc pour caractériser le psi ici, enfin un vecteur quelconque de l'espace des états, une somme surtout de toutes les, enfin une combinaison linéaire, mais cette fois continue, puisque x est dans R, sur tous les vecteurs de base, qui serait une sorte de somme de x psi x, avec une somme ici qui serait une somme continue, et donc en fait, formellement, le passage au continu s'écrit comme ceci, où on somme sur toutes les positions possibles, de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est ça qu'on a introduit la dernière fois. Et on a vu au passage, alors on a vu qu'on pouvait donner un sens à ça. Pas de crête couleur hein. C'est dommage. Un bout de verre, on verra. Pourquoi j'en voulais bon, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc avant de chercher ma crête couleur. Bon, je me dis. Alors. On a donné un sens. Oui, c'est ça. On a donné un sens à cet objet-là et à cet objet-là, et on a vu que il fallait introduire la notion de quête généralisée et de bras généralisé. Donc, on commence par le bras généralisé. Donc, un bras, c'est une forme linéaire continue de l'espace de Hilbert dans C. Donc un bras, bon, enfin bref, c'est... vous savez ce que c'est qu'un bras. Un bras généralisé, c'est juste une forme linéaire de H
dans C, mais qui n'est pas forcément continu. On peut dire qu'un bras, c'est aussi un bras généralisé, donc moi, je serais pas forcément continu. Et donc, en fait, on a défini ces objets-là, X, X, là, en disant que X, cette notation-là, ce bras sur notre X, c'est la forme linéaire qui, donc, est par définition, c'est juste un rappel, mais bon, ça vaut le coup de le faire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc X est par définition la forme linéaire qui a psi dans H associe X psi égale psi nul. Ah oui, c'est ça que je voulais dire et qui manque là. Oui, c'est que du coup, chaque vecteur de l'espace des états est représenté par l'ensemble de ses composantes sur les vecteurs de base. Donc là, de la même façon, en la généralisation continue, chaque vecteur psi, donc élément de l'espace des états, est caractérisé par ses composantes sur chacun des vecteurs de cette base généralisée. Je vais rappeler la définition précise. Et donc, les composantes maintenant sont plus discrètes. Alpha 1, alpha 2, psi 1, psi 2, psi 3, psi n, et psi jusqu'à l'infini, mais continue, c'est-à-dire psi pour le premier x, psi pour le deuxième x, psi pour le troisième x, mais il y a des x partout, donc en fait, un état psi est caractérisé par une fonction psi de x, c'est-à-dire le coefficient pour la position x. D'accord ? Donc en fait, l'espace des états, c'est simplement l'espace des fonctions de R dans C, puisque les coefficients peuvent être dans C, on est dans un espace vectoriel complexe. Donc un état, un état de position quelconque est une fonction de R, alors de R3, si on prend je vais mettre de R puissance D, voilà. Si on a un espace à D dimensions, pour chaque valeur du paramètre, enfin de la position, on veut un coefficient, donc de RD dans C. Et simplement, il faut, de la même façon que pour que cette somme converge, là, pour qu'il y ait un sens à écrire psi comme une somme infinie, une combinaison linéaire infinie, ce qui normalement ne peut pas se faire, il faut pouvoir avoir une idée de convergence, que cette somme converge quelque part, et donc ça c'est, on l'a avec la notion de norme, hein, qui, c'est la norme herbicienne qui nous permet de définir cette convergence, et donc de même que ici, il faut évidemment que la somme des EI psi module carré, qui est la norme de ça, converge, pour que la série ait un sens, de la même façon, pour que ce développement ici, somme des sur dx, des psi dx, x est un sens, il faut que la somme de tous les coefficients module carré, donc la norme associée à cet état, converge. Et donc l'espace des états de position le H du système, c'est l'ensemble des fonctions de R puissance D, si on est à des dimensions, voilà, c'est à une dimension, donc de R dans C, de carré sommable, c'est-à-dire L2 de R, l'ensemble, enfin, voilà, c'est ces fonctions-là, d'accord ? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Un état du système, c'est une fonction psi de x de carré sommable. Bien. Oui. J'ai pas compris pourquoi H doit être égal à ZDR ou qu'on bat 3 vecteurs. Ben parce que un état de position est caractérisé par l'ensemble des coefficients
du vecteur d'état sur toutes les positions possibles, donc l'ensemble des psi de x, donc c'est une fonction psi de x, mais de la même façon que pour que ceci, pour qu'une écriture comme ça ait un sens, il faut donner un sens à cette série qui est une combinaison linéaire infinie. Donc il faut que comment on peut donner un sens à une combinaison linéaire infinie, ben, en disant que petit à petit ça converge vers quelque chose qui est fini. Donc ça, le formalisme qui donne un sens à cette expression avec une base de Hilbert dénombrable, c'est le formalisme qui passe par la norme, c'est-à-dire pour qu'il y ait une notion de convergence, et donc il faut une norme, et donc il faut, pour que ceci ait un sens, que la série converge, que la norme, c'est-à-dire la somme des modules des coefficients au carré, soit finie. De la même façon, ici, pour que cette écriture de développement continu sur les positions x ait un sens, il faut que cette intégrale qui est une série continue, si on veut, ait un sens, il faut que la norme associée, c'est-à-dire la somme des modules des coefficients carrés, soit finie. Oui. Pourquoi il faut absolument que ce soit fini, enfin, si c'est pas fini, si je vous fais... prenez une série qui ne converge pas, 1 plus 1,5, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc., ça vaut combien ça? Ça ne converge pas, ça. Il n'y a pas de sens. Je peux même faire une autre série qui ne converge pas. Hein. 1 plus 1, plus 1, plus 1. Ou bien 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. Vous connaissez tous ces paradoxes avec les séries. Donc, écrire une somme infinie, ça ne garantit pas que la somme ait un sens. Je peux écrire ça, enfin, avec des plus, etc. Ça fait combien, ça? Moi, je peux vous démontrer que ça fait 3, je peux vous démontrer que ça fait 12, je peux vous démontrer que ça fait 0. Si je groupe les termes comme ça, ben, ça fait 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Mais si je groupe les termes comme ça, ah ben, en fait, ça fait... ça va faire 1, et puis après... Enfin, bref... Une série, il ne suffit pas d'écrire une somme de nombres pour que ça ait un sens, d'accord? Pour donner un sens à... Si la somme est finie, d'accord, on fait la somme des nombres. Mais si c'est infini, on ne sait pas le faire. Donc les mathématiques ont permis de donner un sens à des expressions somme infinie comme ça, enfin une somme infinie de nombres, à condition... Enfin, comment on donne un sens à ça? Avec la notion de convergence. Donc on définit, donc, par exemple, cette suite-là, donc jusqu'à l'infini, vous définissez une somme partielle, c'est ce que vous avez fait normalement en maths avec les bases de Fourier. Si vous avez donc une base... Si vous avez une base comme ça, de I égale... Enfin, pour I dans F, vous définissez une somme partielle, donc vous avez psi, un élément de l'espace de Hilbert. Vous définissez somme de I égale 0, alors je vais l'appeler psi indice P, AP de EI psi EI, d'accord? Ça, c'est une combinaison linéaire finie jusqu'à P, d'accord? Ça, ça a un sens. Et puis, vous avez la suite des psi P. Psi de P plus 1, eh bien, c'est cette somme-là jusqu'à P plus 1, c'est-à-dire c'est psi P plus le terme qu'il n'y avait pas là, c'est-à-dire que P plus 1 psi P. Et puis donc vous avez une suite comme ça de vecteurs qui sont tous des combinaisons linéaires finies et donc qui sont parfaitement bien définies. Et cette suite, si jamais cette suite converge, alors vous appelez psi la limite quand P tend vers l'infini des psi P. C'est ça que vous avez fait en maths, non? Vous n'avez pas fait ça? Et on peut égaliser la limite de psi P de psi P plus 1. Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Non? Bon, ok. D'accord, mais donc, si la limite converge,
Et ça veut dire quoi que la limite converge? Ça veut dire que la norme de psi p plus 1 moins psi p tend vers 0. Qu'elle soit Cauchy, et comme c'est un espace de Hilbert, c'est-à-dire complet pour sa norme, si elle est de Cauchy, elle est, elle converge, et on appelle, on donne, enfin, ce qu'on note, somme de pi égale 0 à l'infini de pi, si, pi, par définition, cette somme-là, qui sinon ne veut rien dire, par définition, c'est la limite de la somme des psi partiels jusqu'au rang P. D'accord ? Donc, quand on écrit un truc comme ça, c'est pas quelque chose qui spontanément a un sens. C'est quelque chose auquel, c'est quelque chose à quoi on a donné un sens via l'introduction d'une notion de limite. Mais pour qu'on ait une notion de limite, il faut qu'on ait une notion de distance entre deux vecteurs pour que ça puisse tendre vers zéro. Enfin, pour que ça puisse être de Cauchy et donc avoir une limite. D'accord ? Donc, pour donner un sens à des expressions comme ça, il faut effectivement qu'on ait une notion de distance, donc de norme, et donc, la norme hermitienne là-dessus, c'est la somme des modules des coefficients carrés, hein, évidemment, dès lors qu'on a une base orthonormée. Et donc, cette expression n'a de sens que si la norme est finie. C'est toute la théorie des espaces Hilbert que vous avez faite en maths, normalement. Donc, c'est exactement pareil. On ne peut donner un sens à un développement comme ceci continu que si la somme, enfin, que s'il y a une notion de distance qui permet de faire converger ça. Sinon, c'est pas ce que ça veut dire. Une somme de nombres, ça ne veut rien dire. Déjà, discrète, alors continue, n'en parlons pas. Mais donc, on peut donner un sens si, si la norme associée est finie. Bon, donc, l'espace des états de position d'un système en physique quantique, quel que soit le système, c'est L de 2R, c'est-à-dire c'est l'ensemble des fonctions qui ne font. Enfin, ces fonctions donnent le coefficient du vecteur d'état sur la position x, sur la position r, vecteur r, x, y, z, si on est à 3D. Mais il faut, donc c'est une fonction comme ça, mais de carré sommable, c'est-à-dire qui a une norme. Donc h, c'est effectivement m2 de r, ça c'est le point de départ. Alors, c'est le point d'arrivée de l'analyse de la situation des positions en physique, mais c'est le point de départ de tout ce qu'on va faire en fait à partir de maintenant, c'est-à-dire voir comment la physique se développe dans un cadre spatial, puisque jusqu'à présent on a vu comment la physique se développait de façon abstraite dans un espace vectoriel de dimension finie. On a vu essentiellement l'espace de dimension 2 avec le spin 1/2. Mais on peut généraliser à n'importe quelle dimension. Oui, juste, il n'y a pas un plus 1 sur le terme de P. Oui. Psi P plus 1, c'est qu'à la psi P plus. Plus E, E, P, plus 1. Ah oui, là, oui, plus 1, merci. P plus 1. Oui, bien sûr. Merci. Ok. Donc, dans ce développement, ça, c'est une approche un peu heuristique, mais on voit bien qu'effectivement, l'espace des états, soit ça, si on arrive à donner un sens à la notion de position en physique quantique, l'espace des états doit être un L2R. Mais dans ce développement, qui est pour l'instant une écriture formelle, il reste à savoir ce que c'est que ce X bras et ce que c'est que ce X quête. Car il y a un problème sous-jacent à tout ça, c'est que cet espace-là, L2R, on le connaît très très bien en mathématiques, vous l'avez étudié. On sait très bien que c'est effectivement un espace de Hilbert. Le problème, c'est que c'est un espace de Hilbert dénombrable. Il y a des bases dénombrables de cet espace-là. D'accord ? Vous en avez vu, je pense, au moins en TD de maths. Par exemple, avec les polynômes de Hermite, on peut construire une base dénombrable de cet espace-là. C'est-à-dire que... je reviens à ça après, du coup. Thank you.
C'est-à-dire que dans L2 de R, il existe des bases de Hilbert. Dans tout espace de Hilbert, il existe des bases de Hilbert. Il existe des bases de Hilbert, par exemple, donc je peux écrire quelque chose suivant. Je vais noter PL. L dans L. Et donc je peux écrire n'importe quelle fonction. Donc quel que soit psi dans L2 de R. Je peux écrire psi comme une somme de n égale 0 à l'infini de alpha n pn. Enfin, je note P pour pouvoir vous rappeler. On connaît des bases explicitement, on sait les construire, des bases de polynômes par exemple. Et ce alpha n, bien sûr, ce n'est rien d'autre que Pn scalaire psi, au hermitien. Et donc on peut travailler avec des choses comme ça. Donc l'espace des états de position, il est bien connu, c'est L2 de R. Il y a des bases de Hilbert discrètes et tout va bien, on pourrait s'en tenir à des bases discrètes et continuer à représenter du coup ce psi là, comme un vecteur colonne alpha 1, alpha 2, alpha n, mais sans s'arrêter, bon ok, enfin, avec, en faisant des produits scalaires, bref, en manipulant ces vecteurs d'état comme on l'a fait jusqu'à présent, hein, parce qu'on était en dimension finie, mais si ça avait été dimension infinie avec le formalisme, avec un sens donné à la somme infinie, ça n'aurait rien changé. Et donc on pourrait s'en tenir là. Le seul problème, et c'est très bien, on peut faire ça. On peut écrire toute la physique comme ça. Le seul problème, c'est que ces PN là, qui permettent de faire une base de Hilbert, c'est-à-dire une base, enfin, un ensemble de orthonormés complets de vecteurs, c'est-à-dire de fonctions de L2 de R, ces polynômes là ne sont pas localisés. Enfin, ça, c'est des fonctions qui ont une certaine valeur. Enfin, ça, c'est un certain Pn de x. C'est une fonction x d'un Pn de x. Donc vous pouvez trouver une collection dénombrable de fonctions, qui sont donc des éléments de L2 de R, sur lesquels vous pouvez développer n'importe quelle route fonction de L2 de R. C'est très fort, hein. Ça veut dire que n'importe quelle fonction de L2 de R, de carré sommable, donc il va falloir que ça tombe vers 0 assez vite à l'infini, gentiment, mais bon, voilà, il y a des tas de fonctions. Ces fonctions-là, vous pouvez les écrire comme une somme, donc quel que soit ici psi de x, vous pouvez l'écrire comme une somme des alpha n et n de x, où ce alpha n, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire de psi avec pn, et c'est quoi ce produit scalaire? Ben, vous savez, c'est somme de moins l'infini A plus l'infini de Pn de x étoile psi de x dx. Donc, quelle que soit la fonction que vous avez, vous pouvez la représenter comme une somme discrète, d'accord, une somme dénombrable, comme ceci. C'est un résultat très très fort. Hein. L'étude mathématique de L2 de R montrait que c'est un espace de Hilbert et travailler avec des bases discrètes, c'est pas tout à fait trivial au départ. Mais enfin, vous avez l'habitude, par exemple, avec les développements en série de Fourier, que n'importe quelle fonction périodique, par exemple, peut être écrite comme une somme discrète, une somme dénombrable d'harmoniques, de fonctions sinus. Hein, avec des fréquences multiples de la fréquence correspondant à la période. Et d'ailleurs, vous savez aussi qu'on peut représenter par la transformation de Fourier n'importe quelle fonction, y compris pas périodique, comme une somme, mais alors continue cette fois, d'harmonique de Fourier. Ok, donc je dis, on pourrait s'en tenir là, sauf que quelle que soit la base que vous considérez ici, donc par exemple polynôme de Hermite, mais il y en a une infinité, enfin comme dans tout espace vectoriel, vous pouvez prendre des tas de bases, à chaque fois, les éléments de la base vont être des fonctions globales qui ne sont pas localisées, qui ne correspondent pas à une position, qui ont une certaine valeur à chaque position. C'est bien, on peut faire ça encore une fois, mais effectivement en physique, on a une notion de position et on aimerait bien donner un sens à l'idée qu'un système peut se trouver à un endroit précis. S'il est à un endroit précis, ça veut dire que
sa répartition, ses coefficients sur tous les endroits possibles, ça doit être nul partout, sauf à l'endroit où le corps se trouve. Donc, on ne veut pas travailler avec des bases qui sont elles-mêmes distribuées partout dans l'espace, c'est-à-dire des fonctions quelconques qui sont non nulles partout dans l'espace. On aimerait bien travailler avec des fonctions qui sont nulles partout, sauf en un point. Sauf que ça, comme l'ensemble des points est non dénombrable, bah, des fonctions comme ça, il y en aurait un nombre indénombrable, et donc en fait ça ne fonctionne pas, puisque on sait que l'espace est de dimension dénombrable. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'en chercher des bases qui correspondraient à des objets localisés, on n'en trouvera pas, simplement par une analyse dimensionnelle. Néanmoins, et c'est ce qu'on avait donc vu la dernière fois, il est possible de donner un sens à une décomposition continue comme ça, et non plus discrète, en faisant intervenir des objets, qui sont ici des vecteurs de base, mais avec une notion généralisée de vecteurs de base, en fait, en faisant intervenir ici des espèces de fonctions, enfin des fonctions de base, mais qui ne sont pas vraiment des fonctions, et qui ne sont pas donc dans l'espace L2R lui-même. Donc, cet objet-là, bras X, et cet objet-là, quête X, on l'avait défini, on avait vu comment procéder mathématiquement, et pour ça, donc on avait défini, je finis la parenthèse là, je reviens à la définition d'un bras généralisé. Un bras, de façon générale, c'est une forme linéaire continue sur l'espace des états. Là, on va considérer une forme linéaire pas continue sur l'espace des états, et en l'occurrence, cette forme linéaire, ça va être celle qui, à tout vecteur x, c'est-à-dire à toute fonction de L2 de R, associe la valeur de cette fonction au point x. D'accord ? Donc ça correspond, si depuis vous avez un peu progressé dans le cours de maths, ça correspond à la distribution delta. D'accord ? Qui justement associe à une fonction sa valeur en un. Ah, si je mets ici x0, c'est psi de x0. Hein. Ça, c'est un nombre, hein. C'est pas la fonction psi de x. C'est pas la fonction x de psi de x, c'est la valeur de psi en y. Je mets en x0 comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok ? Alors, à partir de ce bras qui est parfaitement bien défini, c'est une forme linéaire. Ok, elle n'est pas continue, mais enfin, c'est une forme linéaire qui est parfaitement bien définie. À partir de ce bras, on a vu qu'on pouvait définir le quête x, alors je vais remettre les x0 pour pas l'ambiguïté, le quête x0, on le définit via le produit scalaire en disant que, par définition, ce quête-là, c'est le quête, alors du coup ça s'appelle un quête généralisé, c'est le quête tel que, eh bien, si vous faites le bras psi, alors, pour n'importe quel psi de l'espace de l'univers, c'est-à-dire n'importe quelle fonction x de psi de x de L2 de R, de carré sommable, psi x égale x psi égale. D'accord. Si c'était un vrai quête, on aurait ça, parce que ça, le produit hermitien de deux vecteurs, si vous changez l'angle, l'ordre, vous passez au complexe conjugué. Donc ça, on lui a donné un sens, puisque le bras est défini comme ça, et du coup, en fait, on peut définir le quête simplement comme ceci, formellement, si vous voulez, comme ça. Le quête, c'est, enfin, ce quête généralisé, alors, il faut que je remette des x0, ce quête généralisé, c'est simplement celui qui se caractérise comme ça, mais quel que soit psi. Alors, il faudrait montrer que ça caractérise bien un objet mathématique qui a un sens. On peut faire ça, c'est-à-dire ça permet de définir un objet, enfin, le quel que soit psi fonctionne, si vous voulez, mais c'est le cas, avec la théorie des distributions, c'est tout à fait élémentaire, mais si j'ai bien compris, vous n'avez pas encore vu ça très proprement, donc c'est pas si important que ça. Pour nous, en tout cas, pour les manipulations qu'on va faire,
Donc voilà comment, à partir de ce brin généralisé, qui est une forme linéaire, qui est juste pas continue, mais qui est parfaitement bien définie, on définit un quiet généralisé. Et donc ce qu'on a vu, oui. Juste, on a fini les distributions. Ah, vous avez fini les distributions. On a fini les distributions. D'accord. Donc vous avez vu, delta de x moins x0. Hein, par la contrainte, on peut noter comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez noté comme ça, c'est plutôt. Si, les deux. Si, les deux. Bon, voilà. Donc, ça, c'est noté comme si c'était une fonction qui avait une certaine valeur en x. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais enfin, on se comprend. En gros, c'est la fonction qui vaut 0 partout, sauf l'infini et en x0, mais elle ne vaut pas l'infini, puisque ça ne veut rien dire, mais simplement, elle est définie par son action au sein d'une intégrale. Elle est définie par le fait que somme de x moins x0 fois une fonction quelconque f de x, c'est f de x0. Donc c'est cette forme linéaire particulière. Donc le bras x0, c'est cette distribution. Donc voilà, ce n'est pas un truc mystérieux, c'est la distribution de f de x0 également. Il a fallu donner un sens à cet objet mathématique. Je vous fais remarquer que c'est très récent, ça. Hein. C'est-à-dire que Dirac a introduit les fonctions de Dirac avant que ce soit bien formalisé mathématiquement. Hein. C'est Laurent Schwartz qui a fait la théorie des distributions. C'est une conquête récente, enfin, du siècle dernier, déjà bien entamée. Hein. Vous n'étiez pas né, mais enfin, c'est pas un truc qui est maîtrisé depuis toujours. Hein, mais en tout cas, on a pu donner un sens très précis. Vous avez vu ça en maths. C'est pas compliqué. Il fallait juste aborder le problème via justement les intégrales. Et c'est une théorie qui est très très belle, mais qui est parfaitement bien maîtrisée aujourd'hui. Donc, en tant que forme linéaire, c'est-à-dire le bras x0, c'est cette forme linéaire-là, cette distribution, et le x0 ici correspond sous cette forme-là, ce serait une fonction, et ce serait cette fonction-là. Donc le bras x0 c'est lui, et le case x0 c'est lui. Alors, le point clé, bien sûr, c'est que x0, qui est un quête généralisé, n'est pas un quête, c'est-à-dire n'appartient pas à l'espace de Hilbert. N'appartient pas à L2 de R. C'est pas du tout une fonction de carré soi-même, parce qu'en fait, c'est même pas une fonction du tout. Bon. Mais, et c'est ça qu'on a vu, on peut néanmoins écrire n'importe quelle fonction donc quel que soit psi qui est dans L2 de R, qui est dans l'espace de Hilbert, une vraie fonction cette fois, un vrai quête, enfin un vrai élément de l'espace vectoriel, peut s'écrire comme la somme de moins l'infini à plus l'infini de eh bien x psi x dx, ou x psi, ben c'est rien d'autre que psi de x. Et donc ça, c'est l'écriture qu'on recherchait par notre approche heuristique ici. On a bien développé psi avec une somme continue de un coefficient correspondant à x fois le quête x. Donc on a bien écrit, enfin, on aurait pu se contenter d'une écriture de ce type-là. Donc, je vais plus explicitement PN, psi, PN. Voilà une écriture sur une base de Hilbert, discrète, dénombrable, et vous pouvez changer de base de Hilbert et vous aurez d'autres coefficients, enfin, standard, de façon standard de travailler, avec une somme discrète, donc aucun problème, la théorie de l'espace de Hilbert standard. On aurait pu se contenter de ça, mais comme aucun de ces vecteurs-là ne correspond à une position bien définie, c'est pas très agréable en physique, en tout cas, il y a un avantage à faire intervenir une autre façon d'écrire le même vecteur psi. Toute fonction peut s'écrire comme ça. Mais on peut aussi l'écrire comme ça, avec un développement continu, et de façon unique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est psi, c'est égal à ça, très explicitement. Comment voir ça ? Ben, si vous faites x0
si, d'accord ? Le bras x0, il est parfaitement bien défini, c'est la forme linéaire qui donne la valeur en x0. Donc, x0 psi, d'une part, c'est psi de x0, la valeur de psi en x0, ok ? Et d'autre part, un bras, c'est une forme linéaire, elle n'est pas continue, d'accord, mais elle est linéaire. Donc si je fais x0 appliqué à cette somme-là, ça va être la somme des x0 appliqués au truc dedans. Donc ça, c'est évidemment somme de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est juste un nom. Donc c'est pareil, je veux ça. Fois x0, x dx. Oui, ça n'a pas de sens. Eh bien, ce x0, donc ça, c'est psi de x. Et ce x0, x, c'est lui, tout simplement. D'accord ? Si c'était une fonction standard, ce serait la valeur de la fonction en x0. Donc c'est delta de x moins x0. Et effectivement, si vous faites la somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x fois delta de x moins x0, par définition de cette distribution, ça fait psi de x0. Donc oui, c'est bien vrai. Donc effectivement, quelle que soit la fonction psi s'écrit comme ça. Donc on a un développement sur une base continue, mais qui est une base généralisée, dont chacun des vecteurs de base, ce x-là, est en fait un ket généralisé et n'appartient pas à l'espace lui-même. Ce x-là n'appartient pas à L2 de R, mais il a un sens bien défini, et on peut l'utiliser pour écrire n'importe quel vecteur de L2 de R comme une combinaison linéaire infinie continue de ces vecteurs-là, de ces vecteurs généralisés-là. Et vous voyez que ça a un sens parfaitement clair. Il y a juste un petit truc, c'est que x n'appartient pas à l'espace de Hilbert. Oui, ok, pas grave. C'est un objet bien défini, et on peut écrire n'importe quel psi, donc quel que soit psi dans L2 de R, psi s'écrit comme ça, donc de façon unique, avec ici le coefficient qui n'est rien d'autre que la valeur de la fonction en x qui est bien définie, c'est une fonction de L2 de R. D'accord ? Donc on a réussi à écrire psi comme une combinaison linéaire d'un truc qui est juste une base de plus. Encore une fois, on aurait pu se contenter des bases discrètes. Le grand avantage, bien que x n'appartienne pas à l'espace, c'est que ce x-là, il correspond à une notion de position bien définie. Il correspond à une position en x, enfin ce delta de x, on peut l'obtenir comme une limite, enfin ce delta de x moins x0, on peut l'obtenir par exemple comme une limite de trucs qui sont des vraies fonctions, par exemple une gaussienne comme ça, centrée sur x0, mais vous pouvez l'obtenir comme une limite de fonctions de plus en plus centrées, qui sont des vraies fonctions de L2 de R, c'est-à-dire dont la norme est infinie. C'est des vraies fonctions qui ont une certaine valeur à chaque point. Et donc, vous voyez bien que cette fonction-là, elle est de plus en plus centrée sur x0, elle correspond effectivement à une position bien définie qui est x0. Alors, pour avoir vraiment une position parfaitement bien définie, c'est-à-dire absolument rien ailleurs qu'en 0, il faut aller à la limite de ce processus-là, et quand on va à la limite de ce processus-là, malheureusement, ce n'est plus une fonction. Mais ça ne pourrait pas l'être, d'ailleurs, puisque sinon, ça voudrait dire qu'on aurait une infinité de fonctions de base, une infinité continue, hors l'espace de Hilbert et de dimension des nombres. De toute façon, ce ne serait pas possible. La seule façon d'avoir un développement continu, c'est d'avoir un développement sur des objets qui ne sont pas dans l'espace de Hilbert. Bref, du coup, on fait ça. Alors, encore une fois, on peut s'en tenir aux bases de Hilbert, mais il y a un sens, il y a un intérêt physique à écrire chaque fonction, c'est-à-dire chaque état de position, comme un développement sur des objets qui correspondent à une position bien définie. Le seul prix à payer, c'est que ces objets qui correspondent à une position bien définie ne font pas eux-mêmes partie de l'espace. Mais on peut les atteindre par une suite continue, par autant de suites continues, j'ai pris des gaussiennes, mais il y a mille façons d'atteindre, la distribution delta comme une limite de fonction. Ces fonctions, ces objets ne sont pas dans l'espace de Hilbert, mais peuvent être atteints aussi près qu'on veut par des fonctions de l'espace de Hilbert et permettent de développer n'importe quelle fonction. Oui ? C'est-à-dire que l'espace de Hilbert, il est dense dans le reste de R ? Absolument. Absolument. Ok, donc ça, c'est la première base généralisée qu'on a vue. C'est la base qui correspond à des positions bien définies.
Et en fait, il y a un intérêt très fort également en physique quantique à utiliser la base qui est en fait la transformée de Fourier de celle-là. Alors vous avez l'habitude en physique que passer dans l'espace de Fourier, c'est souvent utile. Là, en l'occurrence, ce qu'on va voir, alors bon, on a déjà bien entamé le cours, mais ce qu'on va quand même voir, j'espère, ce matin, c'est que si on passe dans l'espace de Fourier, le pendant des positions bien définies, ça va être des impulsions bien définies, des quantités de mouvement bien définies. Donc, on les a notés P en anticipation du fait que ça va se révéler être des quantités de mouvement, des impulsions. Mais pour l'instant, c'est juste une notation. Je vais donc vous rappeler ce qu'on a vu pour cette base généralisée d'impulsion. Donc, alors, l'idée est exactement la même. On pourrait s'en tenir à un développement discret, dénombrable sur des bases de Hilbert, très bien. Mais de même qu'il y a un intérêt à travailler avec des objets qui ont une position bien définie, même s'ils sont un peu en dehors de l'espace de Hilbert, on peut s'en servir quand même comme une base, il y a un intérêt à travailler avec des objets qui ont une impulsion bien définie. Alors, or, ces objets eux-mêmes ne sont pas non plus dans l'espace de Hilbert. Il n'y a pas en vrai dans la nature d'objets à position, enfin de système. D'état à position bien définie, ni d'état à impulsion bien définie, mais on peut développer n'importe quel état sur la base généralisée des états à position bien définie ou sur la base infinie des états, donc la base généralisée des états à impulsion bien définie. Alors comment on fait ? C'est pareil, on définit une autre base généralisée, donc un bras généralisé, un quai généralisé et la base généralisée des x. Non dénombrable, continue ici, donc ça c'est une base généralisée. Donc en voilà une, et maintenant en voilà une autre. Donc on commence, on fait de la même façon, on commence par définir le bras, on en déduit le quai par la propriété, par cette propriété-là, et puis après on voit qu'en fait on peut effectivement développer n'importe quel vecteur sur cette base généralisée, et tout va bien. Alors, le bras en question, donc, je vais noter P0, donc ça, bon, c'est un peu une redite du cours de la dernière fois, mais c'est peut-être pas inutile, parce que c'est quand même des notions qui sont probablement un peu nouvelles pour vous, et surtout qui sont tellement fondamentales qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait. Donc, ce bras généralisé est défini comme n'importe quelle forme linéaire par son action sur n'importe quel vecteur de l'espace, donc par son action sur psi appartenant à H, je vous rappelle que c'est L2 de R quelconque. Et cette action, ben voilà, P0 appliqué à psi. Alors x0 appliqué à psi donnait la valeur de psi en x0, P0 appliqué à psi donne la valeur de la transformée de Fourier psi en P0. Ah, évidemment, ça fait jouer tout de suite un rôle particulier aux transformées de Fourier, mais il y a effectivement un lien entre la position et l'impulsion qui est donné par la transformée de Fourier, c'est comme ça. On ne peut pas le voir explicitement. En tout cas, c'est une forme linéaire. D'accord ? La transformée de Fourier d'une somme de fonctions, d'une combinaison linéaire de fonctions, c'est la combinaison linéaire des transformées de Fourier des fonctions. Et puis prendre la valeur en un point. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est une forme linéaire parfaitement bien définie. Elle n'est pas continue. OK. Donc elle n'appartient pas au dual de H, mais c'est une forme linéaire. Oui. Quand on dit P0, on parle bien de l'impulsion du coup. De l'impulsion P0. Alors, je le note impulsion, pour l'instant, on ne sait pas que c'est. On ne sait pas que c'est l'impulsion, mais c'est juste un nombre. Ça, c'est un truc qui appartient à R. Ouais, mais du coup, on va dire que c'est la transformée de Fourier. Alors, par définition, le bras P0, c'est la forme linéaire qui a toute fonction de L2 de R associée la valeur de sa transformée de Fourier au point. Ah, alors, on défini comme ça. Okay. Voilà, on l'a défini, c'est la définition de P0. Ça, c'est en base X ? Non, 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 non. C'est
Non, 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 c'est la définition de cette forme linéaire. Une forme linéaire, c'est simplement une fonction de... Enfin, forme linéaire sur L2R, c'est une fonction de L2R dans C, qui donc, à chaque psi, à chaque fonction x donne psi de x, associe un certain nombre, et ce nombre, qu'on note donc P0 psi, c'est lui. Mais du coup, c'est un peu, enfin, vu que vous mettez psi de x, à psi de x associe psi cube de toujours. C'est qu'on est avant, enfin, on passe de la base x à la base p. Non, l'espace de Hilbert, l'espace des états de position, c'est L2R. Donc tout état, tout quête psi, quand on écrit psi, en fait, on parle d'un élément de L2R, c'est-à-dire une certaine fonction. Je note psi, en fait, la fonction x d'un psi de x. Mais je suis ni en représentation R, ni en représentation... Enfin, c'est l'objet... X est une variable virtuelle. Mais c'est pour ça que j'écris pas psi de x. J'écris la fonction qui a x d'un psi de x. Mais si, c'est la fonction qui a p d'un psi de p. Ou un petit miquet d'un psi de petit miquet. Oui, je sais, c'est ridicule. J'avais une prof de maths qui disait ça tout le temps pour nous montrer qu'il y avait des variables muettes. Il met petit miquet. Puis il dessinait des petits miquets, c'était super. Hein. Donc si vous pouvez remplacer la variable par un petit miquet et que ça a toujours du sens, c'est que c'est une variable muette. Donc là, c'est le cas. Alors moi, je ne sais pas dessiner des petits miquets. Voilà, psi de petit miquet donne. Petit miquet de psi de petit miquet. Vous savez dessiner les cubes ou quoi? Ok, donc sur l'espace de Hilbert, qui est l'espace de fonction, je définis une forme linéaire qui est celle-ci. Peu importe la signification de P0, P0 n'a pas de signification, c'est un réel quelconque. Pour chaque réel P0 dans R, je peux définir cette forme linéaire et chacune est différente. Hein, évidemment, la forme linéaire P0 et la forme linéaire P1, si P1 est différent de P0, c'est deux formes linéaires différentes. Il y en a une qui donne la valeur de transfert de Fourier en P0, l'autre qui donne la valeur de la transfert de Fourier en P1. Donc, j'ai un continuum de formes linéaires comme ça. Okay. Alors, et c'est parfaitement bien défini, c'est pas continu, ok, mais c'est bien défini. À partir de ça, je forme le quête généralisé. P0, c'est quoi ce quête généralisé? Je le définis par le fait que, quel que soit psi, je dois avoir psi appliqué à P0, le bras psi, qui lui vient défini, psi c'est un quête normal, appliqué à P0, ça doit être égal à P0 psi étoile, bien évidemment, mais vu notre définition de P0, ça, ce n'est rien d'autre que psi tilde de P0. Donc c'est psi tilde de P0 étoile. Oui. Étoile, ça s'applique à tout le monde. Oui, c'est tout ça étoile. Okay. Et du coup, on voit très bien ce que c'est que le P0, parce que la transformée de Fourier, on sait l'écrire. C'est quoi la transformée de Fourier de psi en P0? Eh bien, alors avec les conventions qu'on avait prises, et vous m'avez dit que c'était les mêmes que vous aviez en maths, donc tant mieux, ça fait... Oui, alors, la différence, c'est que donc, quand on note 6 tilde de 2k, hein, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était 1 sur racine de 2 pi, somme de moins l'infini. Enfin, en K0 par exemple, de psi de x 1 puissance moins i K0x dx. D'accord? Alors, le seul truc, c'est que on pourrait travailler avec des K, on va travailler avec des H bar K, enfin, avec P. C'est juste pour donner une dimension physique à la variable P. Donc, on remplace simplement. Donc, je vais écrire avec la même notation tilde, ça devrait être une autre. En fait, on définit
psi tilde de P0 comme étant 1 sur... Alors, pour que ce soit normalisé, il faut mettre le H-bar là. Je laisse vérifier ça. C'est une complète normalisation. Somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x de puissance moins i. D'accord. Donc P0x sur h bar dx. Donc c'est juste, au lieu d'avoir la variable k, on a la variable k sur h bar. D'accord. Et du coup, pour la normalisation, il faut mettre un h bar là sous la racine. Et c'est exactement la même chose. Donc ce que j'appelle transformée de Fourier, c'est en fait en ce sens-là. D'accord. Juste une redéfinition. K égale P à part. Enfin, et sur A. Ok, donc ça, oui. Donc là, P0, c'est l'impulsion. Donc oui, on va voir que c'est l'impulsion. C'est la seule raison pour laquelle on introduit ce H-bar, c'est que du coup, ça correspond à l'impulsion. Je pourrais travailler avec des K, et à la fin, je dirais, oh tiens, K, c'est H-bar fois l'impulsion. Enfin, l'impulsion sur H-bar. Donc on le fait, enfin voilà, mais directement. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'astuce, il n'y a rien de caché derrière, c'est juste... Je note K, P sur H, sur H-bar. Et donc, ben voilà, je l'ai écrit. Alors, psi tilde de P0, c'est donc ça, c'est exactement ça, étoile. Enfin, pardon, psi tilde de P0, étoile, c'est ça, étoile. Donc ça fait somme de moins l'infini à plus l'infini. Alors ça, étoile, c'est donc psi étoile de x e puissance, et si je change ça, donc P0 à part PX. Voilà. Or ça, en fait, c'est le produit scalaire. Enfin, ce serait le produit scalaire. On rappelle que le produit scalaire de deux fonctions, c'est somme de F étoile G dx. De moins l'infini à plus l'infini. Et donc vous voyez là que ça, bah, ce serait le produit scalaire de psi avec la fonction celle-là. Donc psi, le bras psi, le vrai bras psi, psi étant un vrai ket, une vraie fonction, appliqué à ce ket généralisé P0 que j'essaye de construire, enfin que je définis comme ça, psi appliqué à P0, c'est en fait le produit scalaire de psi avec une certaine fonction. Donc ce P0, en fait, ce n'est rien d'autre que la fonction est en fait la fonction qui à x associe 1 sur racine de 2 pi h bar e puissance i p0x sur h bar. Alors j'avais fait une erreur de signe la dernière fois, je l'avais défini avec le moins au début, alors je l'ai corrigé, enfin on s'en était aperçu à la fin de la vidéo, je l'ai corrigé dans la vidéo, enfin à la fin pendant du cours, j'avais corrigé dans la vidéo, juste en signalant qu'il y avait un signe moins. Donc si vous ne l'avez pas corrigé sur vos copies, je l'ai défini bêtement avec un moins la dernière fois, je me suis mélangé dans les transformées de Fourier. Le mieux, il y a trois endroits où il y a un moins, qui, il y a un plus qui devient un moins. Regardez la vidéo si vous voulez, vous verrez exactement où ça intervient. Ça ne change rien à tout ce qu'on a dit. Sur le fond, il y a une erreur de signe à trois endroits. Enfin, le premier endroit, c'était là, et puis après, ça se propageait à deux endroits. Oui ? Ça ? Ah, parce qu'en fait... Alors, ça, je vais juste l'écrire, somme de moins l'infini à plus l'infini, de psi étoile de x,
E puissance 10P 0X sur H bar sur racine de 2π H bar dx. D'accord. Donc, d'accord. Là, j'ai juste mis le facteur devant. Donc là, j'ai psi étoile fois un certain truc que j'avais noté en fait oméga p de x. Donc, si p0 était une vraie fonction, ça c'est une vraie fonction, cette fonction scalaire, cette fonction, c'est ça. Et donc voilà, j'identifie ici, je vois que la fonction en question, le ket p0, c'est en fait la fonction psi p de x qui est celle-là. Oméga p de x, pardon, qui est celle-là. Ah, donc ça, effectivement, c'est ce que j'avais noté, oméga p de x, enfin p0 en l'occurrence, de x la dernière fois. Avec l'erreur de signe, donc excusez-moi. En tout cas, on voit bien là que c'est bien psi plus qui doit être présent ici. Alors, c'est le produit scalaire, donc psi appliqué à p0, c'est le produit scalaire de la fonction psi avec cette fonction-là, à ceci près qu'en fait, cette fonction-là, elle n'est pas dans l'espace en question. Cette fonction-là n'est pas une fonction de L de R. Alors, on a de la chance par rapport à tout à l'heure, c'était même pas une vraie fonction, le ket x, c'était une distribution, donc c'était pas une fonction. Là, c'est une fonction, il y a bien une valeur pour chaque point, mais elle n'est pas de carré sommable. Hein, si vous faites la somme de modules de cette fonction là, oméga p de x au carré de x, ça va pas converger, puisque le module de ça, c'est une constante. C'est 1 sur racine de pi h bar. Donc le module au carré, c'est 1 sur 2 pi h bar, et sommer 1 sur 2 pi h bar de moins l'infini à plus l'infini, évidemment, ça va diverger. Donc ça, c'est une vraie fonction, mais c'est pas un élément de l'espace de Hilbert, elle n'est pas de carré sommable. Donc, exactement comme tout à l'heure, on a d'abord introduit un bras, une forme linéaire parfaitement bien définie, le bras x0, ça donne à la fonction psi la valeur de psi en x0. Très bien. On en a déduit un ket bien défini, comme ceci, et on a vu en fait que la nature mathématique de cet objet-là, en fait, c'est la distribution delta x0, enfin, la fonction généralisée distribution delta de x moins x0, c'est bien défini, juste le ket en question, c'est pas un élément de l'espace. Ok, mais c'est un élément bien défini sur lequel on peut développer n'importe quelle fonction. Très bien. Là, de la même façon, on a défini un bras, généralisé parce qu'il n'est pas continu, mais parfaitement bien défini. On en déduit de la même façon le ket correspondant. Et cette fois, alors, par chance, c'est une fonction, mais elle ne fait pas partie de l'espace. Donc c'est comme avant. On a défini un ket généralisé, un bras généralisé, qui nous permet de définir un ket généralisé qui n'appartient pas à l'espace, mais sur lequel on va pouvoir développer n'importe quel élément de l'espace par une somme continue. Alors, je vais faire ça. Donc, ce que je vais montrer maintenant, je vais dire exactement ce que j'ai dit ici, mais on va le montrer parce qu'il suffit d'écrire pour voir que c'est vrai. De même qu'ici, quel que soit psi, on peut écrire psi comme ceci, justement parce que x0, x, c'est delta de x0, et que ça, c'est la définition de la formule de Dirac, hein, c'est-à-dire psi de x0, c'est bien la somme de la distribution de Dirac, c'est bien la somme de psi de x fois delta de x moins x0. Donc effectivement, si on écrit psi comme ça, ça fonctionne. Donc psi s'écrit comme ça. De la même façon, on va voir que quel que soit psi dans H, c'est-à-dire quelle que soit la fonction x d'un psi de x dans L2 de R, hein, puisque H c'est L2 de R, quelle que soit cette fonction-là, on peut l'écrire de la façon suivante, psi égale somme continue de moins l'infini à plus l'infini de P psi P dp, c'est-à-dire qu'on a réalisé un développement continu de psi sur la base généralisée des p, avec pour coefficient devant chaque élément de la base le produit scalaire
de l'élément de la base avec le vecteur considéré, donc de façon tout à fait standard, sauf que c'est une écriture avec un développement continu ici. Comme si on était dans un espace vectoriel de dimension infinie non continue P, sauf que ce n'est pas le cas. D'abord parce que l'espace vectoriel, il n'est pas de dimension non dénombrable, donc ce ne serait pas possible, et la manière de... Enfin, le paradoxe est levé par le fait qu'en fait, oui, c'est très bien, ce développement continu, mais P n'appartient pas à l'espace de Hilbert. Donc on arrive à développer n'importe quelle fonction de l'espace de Hilbert comme un développement continu de fonctions qui n'appartiennent pas à l'espace de Hilbert, mais qui peuvent être approchées aussi près qu'on veut de l'espace au sein de l'espace de Hilbert. Donc voilà un développement continu. Alors montrons qu'effectivement psi s'écrit comme ceci. Bah alors c'est simple. Ça, par définition de P, c'est psi tilde de P. D'accord ? Et ce P-là, maintenant, on a vu en fait que dans une intégrale comme ça, ce n'est rien d'autre que la fonction oméga P de x en fait. Donc ça, c'est E puissance I P x sur h bar avec la normalisation qui va bien. Alors, ben, ça correspond à ça. Ouais, de la même façon qu'on a vu ici, tout là-haut, là, que psi s'écrivait bien comme ça en prenant l'action de x0 dessus, ben là on peut prendre l'action, alors on a plusieurs façons de faire, alors on va faire les deux, je peux prendre l'action de p là-dessus. P0 appliqué à ce psi là, alors ça par définition c'est psi tilde de P0, et par ailleurs, par linéarité, un bras appliqué à une somme, c'est la somme des bras appliqués au truc, donc ça fait somme de moins l'infini à plus l'infini de, alors ça c'est juste un nombre, donc je le mets là, P psi, et puis donc P0, P dp, ça c'est psi tilde de P par définition du bras P. Et donc ça, on voit bien que ce truc-là, ce n'est rien d'autre que delta P moins P0. Donc ça, c'est la distribution de Dirac, delta P moins P0, parce que vous voyez bien que si vous faites la somme de psi tilde de P fois delta P moins P0, ça donne bien psi tilde de P0. Ceci doit être vrai, quel que soit psi, hein. Donc effectivement, P0, P, c'est delta P moins P0, de même que x0, x, c'était delta de x moins x0, c'est ce qu'on a là-bas. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire, donc ça colle. On peut effectivement écrire psi comme ça, et on voit la cohérence complète et la correspondance entre les deux bases généralisées x et bases généralisées p, en prenant maintenant l'action non plus de p0 sur psi, mais l'action de x0 sur psi. Psi est une fonction d'espace de Hilbert. Je lui ai appliqué le bras généralisé P0, je peux lui appliquer le bras généralisé X0. Qu'est-ce que ça donne? Si je fais X0 psi, eh bien ça me fait, alors d'une part ça, par définition du bras X0, c'est psi de X0, c'est la forme linéaire qui à toute fonction attribue sa valeur en X0, bien. Et par ailleurs, par linéarité, X0 appliqué à psi, c'est x0 fois une somme, c'est donc la somme de x0 par linéarité, donc ça fait somme de moins l'infini à plus l'infini, le coefficient qui est un nombre, je le laisse là, p psi, et puis j'ai donc x0 p dp. Et donc, ça, c'est psi tilde de p, et ça, c'est la valeur de la fonction P en x0. La fonction P, alors, la fonction P, encore une fois, qui n'est pas dans l'espace, mais qui se trouve être néanmoins une fonction, si j'acte, donc je dois écrire ça en x0. Cet objet-là, c'est la fonction évaluée en x0, donc c'est E puissance IPX0 sur h bar sur racine de 2pi h bar. Eh bien, ça, l'écriture psi de x0 égale somme
de psi tilde de p puissance ipx sur h bar sur racine de 2 pi h bar. Alors si au lieu du p sur h bar vous remettez des k, vous voyez que ça, ce n'est rien d'autre que la transformée de Fourier inverse de psi tilde de p. Effectivement, psi de x0, c'est la transformée de Fourier inverse en x0 de sa transformée de Fourier. Donc, ça marche parce que la transformée de Fourier, c'est parce que c'est une théorie cohérente. Et bon, vous avez vu ça en masse aussi, vous les avez faites, les transformées de Fourier en masse. Donc vous savez bien qu'effectivement, quand on a une fonction, la fonction transformée de Fourier, vous revenez à la fonction en appliquant la même transformation avec un moins, enfin un plus au lieu du moins. Enfin, ça marche. D'accord ? Donc tout ça est complètement cohérent. On peut développer n'importe quelle fonction sur la base généralisée des x avec comme coefficient du ket généralisé x la valeur de psi en x, ou bien sur la base généralisée des p avec comme coefficient sur chaque p la valeur de la transformée de Fourier de la fonction en p. Donc ces deux écritures complètement équivalentes, c'est le même vecteur. C'est le même vecteur d'état psi qui est un élément de l'espace de Hilbert. Je peux l'écrire comme somme des x psi x dx de moins l'infini à plus l'infini. Et là, effectivement, ça va être ce qu'on appelle la représentation de x, c'est-à-dire je développe psi sur la base des x. Alors, encore une fois, chacun des x n'est pas dans l'espace, c'est pas grave, je peux m'en servir comme base extérieure, si vous voulez, pour développer quand même psi dessus. Mais je peux aussi écrire le même psi comme étant égal à somme de moins l'infini à plus l'infini de pré-psi, p, dp, et ça c'est ce qu'on appelle la représentation p. C'est-à-dire qu'on développe le même objet sur une autre base, c'est juste une autre base. À nouveau, c'est une base extérieure à l'espace lui-même, mais qui a un sens mathématique très clair et qu'on peut utiliser donc à loisir. Alors, suivant les problèmes, c'est intéressant de travailler en représentation x, c'est-à-dire en développant psi sur la base des x, ou en représentation p, c'est-à-dire en développant le même psi, mais sur la base des p. Mais on peut aussi très bien écrire le même psi sur une autre base. Je l'avais noté avec un perron comme ça, une base de polynômes par exemple, et à ce moment-là c'est une base discrète, enfin dénombrable, et voilà, donc ça ce serait la représentation PN pour une base de polynômes quelconque. Alors normalement, quand vous développez sur des bases, vous pouvez changer de base, évidemment, le même objet, vous pouvez l'écrire comme en développant sur plein de bases différentes, mais toutes les bases ont la même dimensionnalité. Si vous êtes dans dimension 3, toutes les bases ont 3 éléments, dimension 12, toutes les bases ont 12 éléments. En dimension infinie dénombrable, toutes les bases ont la dimension infinie dénombrable, donc toutes les bases devraient être comme ceci, et pas comme ça. Mais justement, ça, c'est pas des bases de l'espace, c'est des bases extérieures à l'espace, si vous voulez, des bases généralisées. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut écrire... Normalement, ça devrait toujours être comme ça, avec des bases de... Enfin, avec n'importe quelle base de Hilbert, ce sera une écriture de ce type-là. Mais on peut aussi recourir à cette écriture-là, qui est très utile, encore une fois, parce que ça correspond à une position bien définie. X, et ça correspond à une impulsion, on va voir que c'est l'impulsion, en tout cas à une certaine grandeur physique bien définie pour notre P, qui se trouve être l'impulsion. Donc ça correspond à une impulsion bien définie P. Donc en fait, avoir une position bien définie, c'est pas possible puisque ça n'appartient pas à l'espace de Hilbert, mais on peut s'en approcher aussi près qu'on veut. Et avoir une impulsion bien définie, c'est pas possible, ça n'appartient pas à l'espace de Hilbert, c'est pas le carré sommable, mais on peut s'en approcher d'aussi près qu'on veut. Et quoi qu'il en soit, on peut développer n'importe quel état de position sur
la base généralisée des états qui ont une position bien définie, ou sur la base généralisée des états qui ont une impulsion bien définie, ou sur n'importe quelle autre base de votre choix, suivant le problème considéré. Ok ? Ça va, ça ? Oui. Bon, alors ça, c'était censé être le rappel de 5 minutes du début de ce cours. Parce qu'on a déjà vu tout ça, mais enfin, c'est peut-être pas mal de le revoir après tout. Et on est d'accord qu'on l'avait vu. Bien, alors c'est parfait. Alors, il nous reste 10 minutes avant la fin de ce premier cours. Je vais donc m'en servir pour... Et puis comme ça, on va commencer... On va commencer un autre chapitre. Un cours... Enfin, ouais, pas tout à fait un autre chapitre. Alors, je vais juste compléter ça en disant... Ah ben, en définissant la fonction d'onde, en fait. J'ai pas encore parlé de fonction d'onde. J'aime pas d'ailleurs parler de fonction d'onde. Je pense que c'est un terme très trompeur. Mais néanmoins, tout le monde parle de fonction d'onde, donc il faut quand même qu'on parle, nous aussi, de fonction d'onde. Bon, c'est clair hein, ce qu'on a fait, j'espère. Bon. Alors, moi j'ai un septième membre. 6, vous avez 6. Ok. Fonction d'onde. Bah en fait par définition on appelle fonction d'onde associée à l'état psi, donc dans l'espace de Hilbert, c'est-à-dire L2 de R, je le renomme ici, l'espace de Hilbert c'est L2 de R, enfin l'espace de Hilbert des états de position. Vous pouvez en plus avoir des états de spin, en plus avoir des états d'autres aspects de la réalité. Mais pour ce qui est de la position, c'est L2 de R, à une dimension, sinon... enfin, vous pouvez ajouter d'autres dimensions, on verra comment faire. Problème. Donc par définition, on appelle fonction d'onde associée à l'état psi, la fonction x de x qui est l'état psi. Enfin, qui est le vecteur d'état psi. Donc, c'est juste un mot, enfin, c'est juste trois mots, fonction d'onde. Vous attachez pas trop à ce mot, c'est juste la fonction en question. Chaque état de position est caractérisé par un vecteur de l'espace, par un vecteur d'état dans l'espace de Hilbert. L'espace de Hilbert étant un espace de fonction, en tout cas pouvant être mis en correspondance univoque avec un espace de fonction, à chaque état de position correspond une fonction. Cette fonction, on l'appelle fonction d'onde, pour des raisons historiques mauvaises. Enfin, historiquement, c'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. On a tâtonné longtemps dans la physique quantique et on a considéré des phénomènes ondulatoires sous-jacents à la réalité quantique, etc. On a appelé fonction d'onde, mais c'est juste une fonction qui décrit comment, enfin qui décrit comment on peut se décomposer une fonction de vecteur d'état sur la base généralisée des x.
Donc ce psi de x, bien sûr, ce n'est rien d'autre que x psi. Comme on l'a vu déjà. Il n'y a absolument rien de nouveau. On l'appelle juste fonction d'onde, cette fonction, pour des mauvaises raisons, encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une onde. D'ailleurs, je ne vois pas bien comment ça pourrait être une onde. En soi, psi de x, ça ne peut pas être une onde. Il n'y a même pas le temps là-dedans. Donc il n'y a rien qui se propage. C'est juste un état donné. C'est juste un état particulier de position. Et il peut y avoir, il y a une infinité très très grande d'espace de Hilbert à F2R et très 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 grand. À dimension infinie. Et puis, vous pouvez imaginer toutes les fonctions possibles de carré sommable sont des éléments tout à fait standards, normaux. Enfin, quelle que soit la fonction de carré sommable, c'est un état de position parfaitement bien défini, sans difficulté particulière. Alors, par contre, quelle est l'interprétation de ça? Alors, signification physique. Je mets des guillemets à signification. Alors, pour comprendre cette signification, il faut se rappeler ce qu'on a vu jusqu'à présent en physique quantique pour une grandeur quelconque. Donc, rappel. Si vous avez une grandeur G qui donne lieu à une base bêta à valeur bien définie, la base des GI. Et I peut être, l'espace peut être dimension finie ou infinie, je peux même le... Peu importe. Ou N, indice petit n, enfin, jusqu'à N ou pas, enfin, bon, peu importe. Allez, une base discrète, peu importe. Dans certains espaces. Donc, à chaque grandeur physique, vous pouvez associer une base d'état à valeur bien définie. Et donc, chaque vecteur psi dans l'espace de Hilbert, il existe un jeu de paramètres alpha i tel que psi, c'est en fait la somme sur i des alpha i g. Bien. Et si on mesure G sur le système qui serait dans l'état psi, on obtient GI avec la probabilité module de l'alpha i carré. Enfin, sur mon somme des modules de l'alpha j carré si l'état n'est pas normalisé. Ok ? Vous vous rappelez de ça ? Bon, ben, c'est exactement pareil là. La grandeur en question, ça va être la position, c'est-à-dire la distance à l'origine choisie. J'aurai une dimension. Alors, oui, il y a deux choses. Donc, si on mesure G, voilà, on obtient GI, on obtient aléatoirement et je vais mettre en pratique pour présager l'interprétation de Copenhague, dont vous savez que je la porte pas très haut dans mon cœur, mais qui est la façon dont la réalité se manifeste. Donc, ça nous donne G avec la proba en question, et cela laisse le système dans l'état G. Si tous les GI sont différents, s'il y en a qui sont
s'il y a plusieurs vecteurs correspondant au même GI, ça donne la projection de psi sur le sous-espace correspondant à GI. Je ne mets pas tout ça, vous le savez. En pratique, encore une fois, sinon ça, en fait, ça intrigue le système avec l'instrument de mesure. Mais bon, je ne recommande pas davantage cela. Donc, dans le cas de la position, c'est exactement pareil. Pour un état de position, psi, c'est-à-dire une fonction, on peut appeler fonction d'onde si vraiment on insiste, psi de x, pour un état de position psi, qu'on peut donc écrire comme somme des x psi, x dx, de moins l'infini à plus l'infini, c'était tout l'intérêt d'introduire ces quêtes généralisées x, qui correspondent, qui sont la limite de quelque chose qui correspond à une position de plus en plus bien définie qui tend vers x, donc à la limite ça, ça correspond à une position bien définie x, sauf que ça n'appartient pas à l'espace, donc c'est pas un état qui existe, qui est atteignable strictement, mais donc on peut s'approcher aussi près qu'on veut. Ça, ça correspond à une valeur bien définie de la position, donc pour un état comme ça, tout état s'écrit comme ça, la mesure de la position x est une grandeur physique comme une autre. La mesure de x donne... Alors, je vais d'abord écrire un truc qui est faux et on va le corriger un peu. Donne la valeur x avec la proba module, enfin le coefficient en question au carré psi de x, enfin x psi module carré, c'est-à-dire psi de x, ça c'est rien d'autre que psi de x, on est d'accord. Module de psi de x au carré, donc c'est exactement pareil, ça vous donne la valeur de chaque élément de la base avec la probabilité module au carré du coefficient en question, et donc donne ça et laisse le système en pratique. Et pour Copenhague, ça laisse vraiment le système dans l'état x. D'accord. Si vous mesurez g et que vous trouvez gi, vous avez la probabilité ça de trouver gi. Ah oui, alors je devrais écrire, ce serait ça, en fait, c'est ça sur la norme, le psi. D'accord. Hein, donc sur la somme des modules au carré P. Hein, voilà. La norme au carré de psi. En général, on prend des états normés, hein, vous avez l'habitude, mais strictement parlant, c'est ça, d'accord. Si l'état est normé, ce truc-là fait 1, donc on peut l'oublier. Si l'état est normé, ce truc-là fait 1, donc on peut l'oublier, mais soyons rigoureux au moins une fois, enfin, dans le cas général. Donc, on trouve la valeur spécifique x avec cette probabilité-là, et ça laisse le système dans l'état x. Sauf que laisser le système dans l'état x, c'est exclu, l'état x, il n'existe pas. C'est pas un état du système, c'est pas une fonction qui est dans l'espace des états. Donc ça, c'est pas possible. Donc je vais mettre des gros guillemets, là. Oui. Ça suppose aussi qu'on connaissait déjà à l'avance l'état du système qu'il laisse dans l'état. Ah non. De même qu'ici, vous avez le système dans l'état combinaison linéaire, l'état du système, le voilà. Vous faites la mesure de G, vous n'avez pas ce que vous allez trouver. Vous allez trouver aléatoirement un certain GI avec la proba module d'alpha i carré. Mais si vous avez trouvé GI, alors maintenant le système est dans l'état GI. Pour la suite. Ah, ok. D'accord. Après la mesure, si vous avez trouvé GI, il est dans l'état GI. Là, après la mesure, si vous avez trouvé X, il est dans l'état X.
Donc, vous avez un système dans un état qui n'a pas de position bien définie, de même que cet état n'a pas de valeur de G bien définie. Donc, c'est une combinaison linéaire d'un état qui est à coup sûr là, et d'un état qui est à coup sûr là, d'un état qui est à coup sûr là, mais la combinaison linéaire est à coup sûr du pas, enfin, la notion de position n'est pas définie. Mais si vous la mesurez, vous allez trouver ici avec telle probabilité, ici avec telle probabilité, et la probabilité en question, c'est le module au carré du coefficient du développement. D'accord ? Donc, si c'était une grandeur comme une autre, on aurait ça, la valeur x qu'on va trouver en mesurant la position, ça va être un certain x aléatoirement, avec la probabilité module de psi au carré, et après le système sera maintenant, si vous l'avez mesuré en x, bon, maintenant il est en x. Sauf que ça c'est juste pas possible, puisqu'il n'y a pas d'état à valeur bien définie de la position. Alors comment on s'en sort ? Ben on s'en sort... oui. C'est... Il dit qu'il n'y en a pas parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça appartient pas à... Voilà. Donc il n'est pas possible que l'état du système soit quête X. Okay. Ouais. C'est pas un état accessible au système. Enfin, c'est pas un état du système. On peut s'en approcher aussi près qu'on veut. Ouais. Mais strictement X, c'est pas possible. Mais en fait, le truc, c'est que quand vous faites une mesure de la position, de toute façon, votre instrument, il n'est pas parfait. Il y aura toujours une petite résolution. Vous allez mesurer la position à un millimètre près, à un micromètre près, à un femtomètre près, à 10 puissance moins 72 mètres près. Mais en tout cas, il y a une petite résolution. Donc, de toute façon, vous n'aurez jamais une réponse précise à la valeur de x. Mais, en fait, donc, en pratique, ça ne change rien. Ce qu'on voit là, en fait, c'est qu'il n'est même pas concevable qu'un instrument soit parfait du point de vue de la position, parce que ça voudrait dire qu'il nous donne une position bien définie. Or, ça n'existe pas. Donc, il est exclu, dans l'idée même de la réalité physique, qu'il puisse y avoir un instrument, même à la limite, qui serait parfait. Non. Un instrument, on ne peut pas concevoir un instrument parfait. Ce serait une contradiction, enfin, un instrument parfait qui mesure la position. Ce serait une contradiction directe avec l'idée même de position, enfin, avec l'idée naïve de position, mais justement, l'idée naïve de position qui est telle que ça a un sens d'avoir une position bien définie, en fait, c'est exclu, puisque ces objets-là n'appartiennent pas à l'espace de Hilbert, il est exclu d'avoir une position bien définie. J'arrive tout de suite. Dans le cas de G, bien sûr, aucun instrument n'est parfait, on est bien d'accord, quand on mesure la grandeur G, quelle que soit la grandeur G, il y a une petite incertitude. Mais il est parfaitement possible de concevoir que l'instrument G, enfin, un instrument idéal qui donnerait la vraie valeur de G. Encore une fois, en pratique, si je mesure G, je ne vais pas trouver GI, je vais trouver GI plus ou moins la résolution de l'instrument. Mais il y a une vraie valeur, et cet état-là correspond à une vraie valeur de GI, et rien ne m'interdit d'imaginer un instrument qui mesurerait GI parfaitement et qui donnerait donc GI. Là, c'est exclu. De toute façon, je ne peux pas trouver une valeur bien définie de la position, ça n'existe pas. Il n'y a aucun état concevable dans le monde, si l'état, le seul état qui a une position bien définie. Le seul état qui a une position bien définie, par définition, c'est lui, mais justement, c'est pas un élément du monde, enfin, c'est pas un élément de l'espace des états. Donc, c'est exclu. Ceci dit, on peut s'en rapprocher d'aussi près qu'on veut, on peut avoir une résolution idéalement aussi bonne que l'on veut, mais il y aura toujours une certaine résolution petit delta x. Alors, vous avez une question. Du coup, je ne comprends pas qu'est-ce qui différencie les autres grandeurs de la position, parce que les autres grandeurs, elles sont aussi continues. Ah non, elles ne sont pas continues. Quand vous mesurez la composante du spin suivant z, oui, vous avez soit h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. Oui, mais le spin, c'est un cas particulier, on peut imaginer d'autres grandeurs. Il y a d'autres grandeurs continues, mais il y a plein de grandeurs discrètes aussi. Okay. L'énergie d'un système, on prend l'oscillateur harmonique par exemple, c'est en fait, elles sont discrètes. Alors, le truc, c'est que l'espace entre deux valeurs est tellement petit à notre échelle, parce que h bar est super petit, on peut considérer que c'est continu. Classiquement, on ne se rend pas compte que c'est discret. Mais dès qu'on regarde vraiment près, on voit que non, c'est discret, c'est pas continu.
Oui. Du coup, toutes les grandeurs continues sont construites avec un quête qui n'est pas dans l'espace. Absolument. Toutes les grandeurs continues au sens. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on écrit un développement comme ça continu, la base sur laquelle on le développe est forcément une base généralisée. Sinon, ça voudrait dire que l'espace de Hilbert a une dimension continue, non dénombrable, et ça n'existe pas. Enfin, c'est bon. On sait pas le gérer. Mais du coup, est-ce que c'est pas parce qu'on l'a construit comme ça que c'est faux conceptuellement, ou enfin, si on pourrait le construire autrement pour que ça marche autrement? Alors, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire, parce que vous dites, c'est impossible qu'on ait ça parce que c'est construit comme ça et on voit bien que ça marche pas. Alors, c'est nous qui l'avons construit. Okay. C'est, alors, en fait. Comme je vous disais la dernière fois, un espace de Hilbert à dimension continue, on ne sait pas trop, enfin, dimension non dénombrable, enfin, c'est pas, enfin, on ne sait pas construire ça, on ne sait pas manipuler ces objets-là. C'est, peut-être que ça existe, mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, et c'est un truc un peu. Enfin, si ça existe, c'est horrible. Je vous avais donné la citation, j'ai oublié le nom du mathématicien qui a dit ça. Un espace de Hilbert. À dimension non dénombrable, je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas si ça existe, mais si ça existe, je veux pas les rencontrer. Donc, ça exprime bien la situation. Alors, ça exclut pas qu'un jour on arrivera à donner sens à quelque chose comme ça et qu'on s'apercevra que la physique fonctionne comme ça. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on connaît de la physique et tout ce qu'on peut, enfin, la théorie physique, les théories physiques les plus profondes qu'on puisse concevoir et qui donnent les résultats, enfin, qui permettent d'expliquer le monde, fonctionnent très bien avec les espaces de Hilbert normaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de position, de donner un sens à une position bien définie. Notre théorie aujourd'hui, la théorie physique, dit que ça n'existe pas et donne une raison très claire pour laquelle ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est-à-dire pour que ça existe, il faudrait qu'on puisse écrire quelque chose comme ça. Or, cet objet-là, on l'a vu, n'est pas une fonction de carré sommable, et donc, c'est pas un objet normé, donc ça peut pas être un état physique, en fait. Enfin, donc, en fait, tout est cohérent. Enfin, affirmer qu'il n'y a pas d'état à valeur de position bien définie, c'est parfaitement cohérent avec le cadre de la physique quantique. C'est ce que la physique quantique suggère, c'est ce qu'elle dit même, ce qu'elle affirme, et rien ne contredit ça. Et on l'a construit à partir des expériences ou on l'a... Oui, le cadre conceptuel de la physique quantique est construit, effectivement, est dicté par le constat expérimental. Et la façon dont je l'ai introduit, depuis le début, je n'ai fait qu'une seule hypothèse, une seule. La réalité physique est linéaire. J'en ai déduit tout le reste, y compris ça. Donc. Et ça n'a jamais été pris en défaut. Oui. Mais comme vous avez dit que les états d'énergie sont aussi dénombrables, quand on voit suffisamment près, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'en fait les états de position sont aussi dénombrables? Oui, mais ça pose un problème de définir un espace discret. Parce que qu'est-ce qu'il y a entre deux points? Dire que l'espace est discret, c'est-à-dire qu'il y a des positions effectivement discrètes, mais entre deux points qui sont donc pas le même point, qu'est-ce qui permet de distinguer deux points? Parce que justement l'espace, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace entre les deux, et donc il y a des points entre les deux. Donc définir un espace discret, c'est pas juste je postule qu'il n'y a que certains points. Ok, entre les deux points que vous avez postulé, il y a quoi alors? Il faut bien qu'il y ait des points, sinon c'est le même point. Et donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on essaye de donner un sens néanmoins. On n'a jamais réussi, en fait, actuellement, à donner un sens à ce que serait vraiment un espace discret. Mais ça fait partie des pistes de recherche. Et comme je le disais, on ne sait pas ce que c'est que l'espace. Voilà, on ne sait pas. Mais on peut le traiter, parce que néanmoins, la notion de localisation classique a un sens. On sait comment gérer, on voit comment gérer cette situation en faisant intervenir la grandeur physique position, qui est juste une grandeur physique distance, et en développant donc, et en identifiant un état de position comme une fonction de carré sommable, on peut, cette fonction de carré sommable, on peut l'écrire comme un développement continu sur une base généralisée d'objets qui correspondraient à une position bien définie. Simplement, il ne faut pas oublier que ces objets à position bien définie ne sont pas dans l'espace, donc il n'y en a pas vraiment, mais on peut s'en approcher d'aussi près qu'on veut. Et donc, le concept espace est sauf, si on veut. On sent bien qu'à un moment, il va falloir faire mieux. Mais
c'est pas un problème pour l'instant, justement parce que, comme je le disais, en vrai, à chaque fois que vous faites une mesure, même si vous imaginez un instrument super, super, super performant, qui a une précision de 10 puissance moins 227 milliards sur la position, il y a forcément un petit, une petite incertitude sur la position. Alors du coup, et je m'arrête là pour cette première partie, du coup, la solution, donc, si on veut lever les guillemets, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement dire que on ne mesure pas la position, on mesure la position à un certain delta x près, et donc, quand on fait la mesure de la position avec une certaine résolution delta x, le résultat, donc la mesure de la position x, en fait, donne non pas la valeur x strictement parlant avec cette probabilité, et ça laisse le système dans l'état exactement x, puisque ce n'est pas possible, mais la mesure de la position donne une valeur entre x et x plus delta x avec, alors je vais même le mettre infinitésimal, et x plus dx avec la proba eh bien module de psi de x carré dx. Et je continue la phrase, et donc la mesure de position donne une valeur machin et laisse le système dans l'état, alors dans l'état qui est la projection de ça sur l'intervalle entre x et x plus dx qu'on a trouvé. Donc, enfin, donc c'est là que c'est un. Je vais le mettre entre parenthèses, et dans l'état somme de x à x plus dx, il faudra mettre un ouais, comme ça, de psi de x, x, alors psi de x prime, x prime de x prime, si on veut. Variable muette ici. Alors ce dx, il n'est jamais exactement infinitésimal, il a une certaine largeur, mais donc le sens physique à donner à la fonction d'onde, c'est-à-dire à la fonction qui représente la combinaison linéaire particulière de l'état de position sur la base généralisée des x, la signification physique, c'est que si vous faites une mesure de la position, module de psi de x au carré, ça vous donne la densité de probabilité de trouver la valeur x. Rigoureux. Quand vous mesurez, parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu la théorie des probabilités, vous avez une fonction qui donne la distribution, enfin une distribution de probabilité. Si, alors soit vous avez des valeurs discrètes, par exemple les phases d'un dé, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc il y a une certaine probabilité bien définie de trouver l'une ou l'autre des valeurs discrètes possibles. Mais si vous avez une distribution des valeurs possibles qui est continue, alors il n'y a pas la probabilité d'obtenir une valeur strictement bien définie et pas à quelque chose près, mais strictement une valeur, la probabilité c'est forcément zéro. D'accord ? De trouver pile une valeur, c'est zéro la probabilité toujours. Tout ce que vous pouvez définir, c'est la probabilité de trouver la valeur entre x et x plus dx. Et ça c'est par définition P de x dx. D'accord ? Enfin, P de x c'est la distribution de probabilité. Donc en fait, c'est exactement ça. Vous avez une distribution de probabilité de trouver x quand vous faites la mesure de la grandeur x, qui est celle-là. Ça, c'est le P de x de votre distribution de probabilité. Et donc, la probabilité de trouver entre x et x plus dx, c'est psi de y, module psi de x carré dx. D'accord ? Oui ? Est-ce qu'il faut diviser par... Ah oui, pardon, merci. Divisé par la norme de psi au carré. Merci. On apprend en général égal à 1, tout simplement parce que
Si vous avez un état et que vous multipliez par quelque chose, ça correspond au même état. Donc tant qu'à faire, on normalise tous les états. Et comme l'évolution des systèmes, comme on l'a vu, est toujours une évolution unitaire, si vous démarrez avec un état normé, enfin de norme égale à 1, il sera toujours de norme égale à 1. En général, c'est ce que... Alors, sauf quand on est dans l'interprétation de Copenhague et qu'on croit à la réduction du paquet d'ondes, on croit que quand on fait une mesure, on élimine toutes les autres composantes. Alors là, si on fait ça, du coup, vu qu'on a éliminé des bouts, on n'a plus une norme égale à 1. C'est juste une indication supplémentaire que ce n'est pas ça qui se passe en vrai. Mais en pratique, c'est ça qui se passe. Donc faites attention, il se peut quand même que vous partiez d'un état normé. Son évolution le laissera toujours normé. Mais si vous faites une mesure à un moment, alors après, ça ne sera peut-être plus normé. Enfin bref. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie. Et puis on va démarrer les opérateurs. Juste après. Allez, on fait une petite pause hein, parce qu'on a un peu débordé. Ah oui, on a beaucoup débordé. Bon, ok, pause. Oui, c'est en cours.